carré de veau aux champignons, servi avec les tartes aux endives et noix du Lot. Petit clin d'œil pour le chef. Également donc la blanquette de veau revisitée et la gourmandise autour de la pomme de terre et du riz de veau. Servi avec un jus brun au houblon d'Alsace. Il y a un très joli traitement de tous les ingrédients en fait. Et puis le goût est très tendre, bien sûr, on a un jus superbe. Donc le carré de veau, il a été cuit sur l'os. Vous allez retrouver avec un compressé de courge et également confit de clémentine. Donc avec le calisson en fait, qui est vraiment à la forme du calisson d'Aix-en-Provence. Riz de veau ainsi qu'une petite tapenade d'olive noire et betterave, ce qui va vraiment donner cette couleur. Vous allez retrouver les jardins à la française du château de la Gode sur une tarte aux blettes où là toute la blette sera travaillée. On a été beaucoup emmené aussi avec ce plat. La cuisson était particulièrement réussie.